Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le compte de ce magazine. Ce rendez-vous reçoit pour vous l'apôtre Blaise Nanga David. Vous l'avez sûrement compris, nous parlons justement religion et les questions que l'on se pose aujourd'hui émanent d'un constat fait. Nous avons remarqué ces derniers temps une grande affluence des jeunes dans les ministères et l'on se pose la question de savoir pourquoi cet intérêt subi par cette catégorie des personnes et quel est l'intérêt pour la nation congolaise, quel est l'intérêt pour le corps du Christ? Toutes ces réponses, nous lisons avec l'apôtre à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau. Moi de même aussi. Je rappelle que vous êtes le visionnaire de la mission internationale pour le renouvellement basée à Kinshasa. Oui, oui. Comment vous trouvez la ville de Kolwezi? Ah oui, oui, la ville est très bonne et puis j'ai tellement aimé en fait. Ah, il fait froid ici. Il fait tellement froid et surtout que j'ai beaucoup aimé parce que je me suis retrouvé ici facilement. Très bien. Alors avec vous, vous êtes jeune de par votre âge, mais vous êtes apôtre. Nous avons remarqué une grande affluence des jeunes dans les ministères. Mm-hmm. Et l'on se pose la question, pourquoi cet intérêt est subit et quel est l'intérêt pour la nation congolaise? Quel est l'intérêt pour le corps du Christ? En fait, là-bas, il y a tellement de problématiques qui se passent dedans. Premièrement, comme j'aime toujours dire, que c'est d'abord par rapport à notre pays. Et nous sommes dans un pays qui est sous-développé, auquel il n'y a pas beaucoup plus d'emplois. Et tellement que cet écart-là fait en sorte que beaucoup de jeunes se mêlent directement dans les ministères sans pour autant même avoir l'appel. Sur base de quoi? Sur base de la convoitise, sont en train de voir leur pasteur, leur père, sont en train d'amasser des dîmes, des offrandes. Et cette notoriété-là, et c'est stimule en fait une envie, en sorte que non, c'est là que nous voyons plusieurs jeunes commencer à entrer dans les ministères sans pour autant même avoir le maximum en fait d'appels. Mm-hmm. Et deuxièmement, je peux dire aussi, c'est par rapport aux enseignements. Aux enseignements, il y a d'autres qui ne sont pas vraiment mûrs, il y a d'autres qui ne sont même pas encore arrivés au fond. Et du coup, vu qu'ils ne sont pas bien nourris, et ils se laissent emporter dans tout ça. Parce que s'ils se laissent vraiment beaucoup plus nourrir, forger par rapport aux enseignements purs, et ils comprendront, ils connaîtront vraiment réellement que non, ce n'est pas encore le temps. Apôtre, il y a un passage biblique qui dit « Dieu appelle qui il veut et mmh. quand il veut mmh. ». C'est sur base de ce passage que beaucoup de jeunes s'appuient pour ouvrir ou bien pour se donner au ministère. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre concrètement par ce passage biblique? Bon, ce que nous devons d'abord comprendre par rapport à l'appel, premièrement, l'appel a des degrés. L'appel a des degrés. Premier degré, c'est l'appel au salut. L'appel, là, on appelle ça l'appel communautaire. Auquel cas, tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il répond à cet appel. Et l'autre appel, c'est l'appel au ministère. Donc, c'est de faire. Et là, maintenant, ce n'est que Dieu. Là, ce n'est pas l'homme. Et alors, aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, il y a plusieurs qui se sont appelés comme étant eux-mêmes les auto-appelés. Vous voyez un peu? Et c'est par là que quand j'ai commencé à dire que non, beaucoup plus, c'est manque des enseignements et autres. Il y a beaucoup des anomalies, il y a beaucoup des points, je peux dire, qui ratifent, qui se révèlent, qui estiment, qui repoussent aussi, qui poussent aussi les jeunes beaucoup plus de se mêler dans ça. Je ne sais pas si je peux aller encore en profondeur pour dire que il y a d'autres qui se laissent emporter quand ils voient leur père peut-être. C'est là que nous devons beaucoup plus comprendre que dans l'étape ou dans le niveau spirituel, nous tous nous sommes appelés d'abord d'être comme étant le bébé spirituel. Là où Pierre est en train de nous parler, de nous dire qu'enfant désirer les laits spirituels. Et après ça, il y a une étape que nous nous montons, que Paul parle, qu'il dit que j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant. Et là, ce n'est plus un bébé. Là, c'est comme directement un enfant. Là, je commence déjà à comprendre au moins certaines des choses par rapport à la marche. Chrétien, je suis peut-être chantre et tout, et tout, et tout. Et il y a un autre niveau maintenant. C'est par ici, il y a plusieurs problèmes. Et les niveaux, c'est qu'on appelle auquel un enfant atteint l'adolescence spirituelle aussi, je peux dire. Là, Paul est en train de nous dire que, enfant, obéissez à vos parents pour que vous vivez longtemps, pour que vous soyez errés. Et puis, Paul, il irrite, il dit que
père n'irritez pas vos enfants. Là, je suis dans Éphésiens chapitre 6, verset 1er jusqu'au 4e. Pour dire, quand enfant, il atteint déjà l'âge d'honorer son père, c'est-à-dire qu'il comprend des choses, qu'il maîtrise des choses. C'est-à-dire, c'est dans les temps auxquels que non, l'enfant, il commence de prêcher, je peux dire, il commence de méditer la Bible à la profondeur, il commence voir même de voir des choses, il commence voir même de faire ce que son père aussi fait. Et c'est dans ces temps-là, et maintenant que l'enfant aussi devient adolescent. Et il y a une problématique qui s'est surgie dans ces points-là. Mmh. Et physiquement, quand l'enfant atteint l'âge d'adolescence, il y a de ces enfants qui font des crises. Oui. Et si nous pouvons avoir des adolescents spirituels qui font des crises, c'est vraiment... c'est très dangereux pour les enfants des dieux, c'est très dangereux. Alors, qui doit être les rôles du père spirituel ou l'encadreur spirituel? Un père spirituel, d'ailleurs, c'est lui qui fait beaucoup d'abord par rapport sur les points de la paternité. Très souvent que nous, non, je ne peux pas me voiler, je suis un apôtre, je dois beaucoup plus dire la vérité. Très souvent, nous les pères, nous avons toujours tendance de ne pas vraiment beaucoup plus enseigner la profondeur en fait par rapport à ces liens qui nous unissent avec le fils, voyez un peu. Et il y a des pères aujourd'hui, eux-mêmes deviennent des pierres d'achoppement pour les fils aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui. Vous allez voir qu'un père lui-même c'est jalousie, il y a une jalousie vis-à-vis de son père, de son fils. Pourquoi? Parce que son fils a des charismes, il a des aptitudes plus que lui. Vous voyez, je connais beaucoup, et surtout même à Kinshasa, là-bas, ça passe beaucoup. Vous allez voir un père lui-même, il crée des guerres froides entre les fils. Un père lui-même, il cherche à diviser les fils, il parle mal de l'un vis-à-vis de l'autre. Quand il part chez l'autre, il fait encore les mêmes choses. Et tout ça pour que lui puisse avoir la notoriété au devant du fils. Et quand de telles choses vont se barder au milieu d'eux, et du coup, la conséquence revient toujours au père. Pour dire quoi? Que le père, en tant que père, il est appelé de bien encadrer, bien prendre les soins du fils, comme le père des parents biologiques, comme il fait. Quand l'enfant atteint l'âge de l'adolescence, les parents responsables, ils se disent que non, à cet âge ici, je ne peux plus blaguer. Dans cet âge ici, je dois vraiment investir dans mon fils pour qu'il ne se déroute pas. C'est le même aussi sur les points spirituels aussi, qu'en tant que père, il est appelé beaucoup plus de se placer vraiment à la position des responsables pour que son fils ne se déroute pas. Et il y a encore une autre chose comme étant un problématique, c'est aussi par rapport au fils aussi. Quand un fils atteint un niveau auquel il se voit déjà que non, il commence déjà à dégrandir, là aussi, lui aussi, quand il est au moins kyrié sur certaines des choses qui se passent, il se voit aussi que non, moi aussi je peux, et là aussi. Et là, nous assistons à beaucoup de rébellions dans les églises. Ah oui, et surtout, c'est là que non, il y a la source de la rébellion qui se passe à l'église. Un jeune homme comme ça, et du coup, après un temps, ils partent. Mais les purs problèmes, ce n'est pas seulement l'enfant, ce n'est pas seulement le fils, c'est aussi les pères aussi. Une fois que le père ne les traite pas vraiment spécialement comme il faut, et là aussi, il peut commencer peut-être de voir ailleurs. Vous voyez un peu, il a les aptitudes, des charismes qui peut faire avancer l'œuvre, mais il ne voit pas vraiment sa place spéciale à l'église. Apôtre, quand on a le charisme, quand on a la connaissance, quand on a les aptitudes, est-ce que cela signifie qu'on a un sacerdoce ministériel? Non. Là, c'est sans que des dons, en fait. Les dons, Dieu ne nous appelle pas par rapport aux dons. Certes que les dons spirituels font qu'accompagner le ministère. Mais le ministère, c'est le ministère de la parole. Là, ça se découvre à travers la parole. Et alors, plusieurs jeunes aujourd'hui n'ont pas vraiment cette culture. C'est pourquoi vous allez voir, il y a une naissance de plusieurs prophètes, une naissance de plusieurs pasteurs eux-mêmes qui s'appellent « moi je suis prophète, moi je suis celle-ci », sans pour autant être ordonné par son père. Et aujourd'hui, on voit par-ci, par-là, on appelle, il y a David ministre, c'est Jackie ministre, c'est tel ministre, tout ça. Et nous avons parlé tout à l'heure de la rébellion des enfants qui se rebellent. Et j'ai posé la question de savoir
quand on a les aptitudes à prêcher la parole de Dieu, est-ce que cela signifie qu'on a le sacerdoce ministériel? Vous avez dit non. Non. Mais est-ce que parfois Dieu soutient la rébellion? Et comment je saurais que je suis appelée à faire le ministère tant que j'ai un père qui ne me laisse pas aller exercer mon travail? Premièrement, d'abord, Dieu est contre la rébellion. Parce que la rébellion n'est pas commencée sur la terre, la rébellion a commencé aux cieux. Les diables lui-même s'est rébellé et Dieu n'aime pas la rébellion. Mais il y a des pasteurs qui font de rébellion et aujourd'hui, il y a des ministères, leurs ministères ont pris de l'envol. Ah oui, en fait, c'est ici maintenant, il y a encore quelque chose. Pourquoi? Parce que nous, les humains, nous nous voyons selon nous et Dieu est souverain. N'oublions pas que là où la Bible dit dans Isaïe chapitre 45, verset 7, il dit « Moi Dieu, j'ai créé l'adversité et j'ai donné la prospérité ». Dans d'autres versions, disent que moi, Dieu, j'ai créé les malheurs et je donne la paix, je donne les bonheurs et tout. Et alors, Dieu, il y a certaines rébellions, Dieu lui-même, il suscite ça. Vous voyez, quand le père, il devient déloyal à Dieu, quand le père oublie la vision, quand le père s'éloigne de Dieu, quand le père commence à faire des choses bizarres, et c'est par là maintenant que Dieu lui-même, il suscite la rébellion. Je donne un peu l'exemple dans un roi, si vous lisez bien dans un roi, vous allez voir dans un roi 11, 9, on descend, vous allez voir l'histoire de Salomon avec Jéroboam. Salomon, il avait commencé à prendre beaucoup de femmes étrangères auxquelles que cela n'était pas vraiment à la loi des dieux. Et Dieu lui-même, il s'est décidé, il a dit non. Cette fois-ci, tu as commencé de faire ceci, cela, et Dieu les rejette. Et Dieu, la Bible dit, Dieu lui-même commença de susciter des rébellions jusqu'au point qu'il a même prélevé, de susciter encore une rébellion chez Jéroboam. Et cette rébellion, c'était Dieu qui avait appuyé. Mais il y a d'autres rébellions quand le Père maintenant est avec Dieu, quand le Père reste toujours dans la foi, quand le Père reste toujours dans la vision des dieux. Et là, quand un fils se rebelle, là maintenant, c'est Dieu lui-même qui va s'élever. C'est un grand combat auquel un fils ne peut jamais vaincre. C'est avec le Père. Un père ne peut jamais être vaincu à travers son fils. Vous voyez un peu, comme je peux donner un peu l'exemple, et là c'est plusieurs jeunes qui ne comprennent pas, et surtout beaucoup plus sur ces points ici, de combattre un père. Non. Quand même si ton père te détruise, même si ton père se place comme étant une arme destructive par rapport à ton ministère, j'aimerais te dire, sois comme un David. C'est-à-dire, esquive ses attaques, éloigne-toi. Et va trop loin, va très loin d'ailleurs, plus de lui. Parce que là maintenant, Dieu, c'est lui qui t'a appelé. Si réellement tu as l'appel, Dieu lui-même, il va te placer dans un bon chemin jusqu'au point. Et quand est-ce qu'on saura que c'est une rébellion permissive? C'est toujours surtout beaucoup plus par rapport à ces points-là. Quand les pères, parce que vous savez, Dieu voit tout, Dieu sent tout, Dieu connaît tout. Le père peut être derrière les brebis, derrière l'église, par rapport à ses fautes, par rapport à ses défauts, que non, tout le monde ne les voit pas. Mais au moins, Dieu sonde, vous voyez. Et ce n'est que Dieu qui sonde. Les résultats qui vont se passer après, cela va révéler réellement que non, cette rébellion-là, c'était permissif. Mm-hmm. C'était permissif. Alors, apôtre, chaque nation compte sur sa jeunesse pour son développement. Vous ne pensez pas qu'avoir beaucoup de jeunes dans les ministères, les jeunes qui n'ont pas d'appel, c'est un gâchis pour le pays? Bon, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas dire que c'est un gâchis, parce que c'est l'une des missions que Dieu nous a dit d'aller faire des nations, les disciples. D'ailleurs, c'est aussi bien pour les réveils spirituels. Là, c'est en tant que d'abord un pasteur, mais si je peux parler d'une manière séculière aussi, là aussi c'est une autre chose. Pour dire quoi, la nation ne se bâtit pas que dans être un pasteur ou être... Non. Nous tous, nous avons des potentiels, nous tous, nous avons des capacités, des talents que Dieu a placés pour nous, qui va faire en sorte que ça va avancer en fait les pays. Alors, là, je peux conseiller surtout beaucoup plus des jeunes que non. Mettons-nous d'abord en tête que non, je dois d'abord cultiver ce que Dieu a placé à moi. Ce n'est pas seulement l'appel. Là, c'est une histoire spirituelle. Mais en dehors sur l'histoire spirituelle, il y a aussi la vie séculière. Et alors, c'est dans ça, par rapport à notre,
compétences, notre intelligence, tout de nous là. Et Dieu s'en sert pour bâtir une nation, pour faire avancer la nation. C'est là que non, j'aimerais dire aux jeunes, et surtout aux jeunes, restons d'abord dans l'appel d'Isali. Reste d'abord un enfant de Dieu. Reste d'abord celui auquel que tu pars à l'église, mais au moins cultive une autre chose dans ta tête que non, je dois faire quelque chose pour faire avancer mon pays, pour faire avancer la nation, pour faire avancer, voire même en sorte que dès lors que je passerai, tout le monde peut parler de moi après. Mmh. Le aller partout dans le monde, fête des nations, mes disciples, c'est sur ce passage que beaucoup d'ailleurs s'appuient et puis beaucoup confondent le sacerdoce universel parce que là, Dieu a dit à tout le monde d'aller faire des nations ses disciples. Cela veut dire être tous pasteurs? Non. Faites les nations les disciples, c'est faire que les païens deviennent un enfant de Dieu. Mmh. Là, c'est ça. Tout disciple, c'est celui qui apprend. Donc, c'est celui qui reste sur les commandements de son maître. Ce n'est pas qu'il devient, il doit nécessairement devenir un pasteur. Et alors, pour vous dire, là, je ne masse pas les mots, il y a plusieurs qui sont des pasteurs, tout comme des prophètes, qui sont des évangélistes ou des apôtres aujourd'hui. Mais si tu les sens comme ça, tu sens que non, celui-ci n'a même pas le niveau d'être appelé dans cet appel ici. Non, il est encore appelé de rester vraiment à l'église, dans les pieds des anciens, pour apprendre encore un peu plus. Donc, le goût du pouvoir. Oui. Alors, apôtre, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui nous suivent en ce moment, ceux qui ont le goût, ceux qui ont l'envie de créer le ministère parce qu'ils ont vu telle personne faire un ministère et prospérer, telle personne faire le ministère et puis émerger? Quel conseil donneriez-vous aux jeunes et comment savoir qu'on a un appel au sacerdoce ministériel? Le premier conseil, en fait, j'aimerais dire à tous les jeunes qui envoient en fait par rapport au ministère, j'aimerais vous dire que l'appel, d'abord, lèvres, les maîtres, c'est Dieu. C'est Dieu qui est en fait les maîtres, c'est lui qui est les chefs. Alors là, vous faites pas face à une autre personne, mais à Dieu. Alors, vous devez craindre d'abord Dieu. Tant que souverain, tant que seigneur, tant que les maîtres, tant que tout. Et alors, tu dois te dépendre à lui. Et alors, je sais que Dieu, il a des écoles, il a des formules, il sait tout ce qu'il fait pour amener quelqu'un à la perfection. Et alors, c'est à nous aussi d'entendre aussi les temps prévus par Dieu. Là, c'est ce qu'on appelle les kairos de Dieu. Alors, j'aimerais te dire, frère, le ministère, ce n'est pas une affaire de course. Le ministère, c'est une affaire des résistants. Tu dois résister. Peu importe les épreuves, peu importe les circonstances, reste dans les pieds de Dieu et Dieu seul va révéler en sorte que tout ce qui a pu placer en toi sera découvert dans les jours qui viennent. C'est sur ces beaux conseils que nous mettons un point final à ce numéro. Apôtre, merci d'avoir beaucoup répondu à nos différentes questions et surtout merci de nous faire cet honneur et de venir répondre à cette invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière fois pour nous de vous recevoir sur ces plateaux d'invités du jour. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est donc pas là, comme je l'ai dit, qu'on va mettre un point final. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.